Aujourd'hui, je voudrais que tu regardes ça attentivement. Et si tu pouvais gagner jusqu'à 12 euros à chaque fois que tu écoutais une musique, est-ce que tu penses que ce serait vraiment même possible? Perso, je me rappelle très bien quand j'étais au lycée, quand j'étais en études, où j'écoutais souvent de la musique et à chaque fois, bah forcément, comme toi, je ne gagnais absolument rien. À l'époque, j'aurais vraiment aimé tomber sur une chaîne YouTube comme la mienne où je te montre plein de vidéos pour comment gagner de l'argent juste en restant sur ton canapé, juste avec un simple téléphone. Et c'est pour ça aujourd'hui que je fais cette vidéo pour t'apprendre à faire ça, puisque cette méthode, elle est juste folle. La méthode qu'on va voir aujourd'hui, et d'ailleurs comme beaucoup de mes vidéos, c'est 100% gratuit. Ce n'est pas une arnaque, ce n'est pas une vidéo de vente pour quelconque produit, ce n'est pas de fausses promesses non plus. C'est adapté aux débutants, tu vas pouvoir le faire même si tu connais absolument rien. C'est très très simple à mettre en place, c'est 100% gratuit et surtout c'est sans connaissances ni compétences techniques. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour pas perdre une seule miette de ce que tu vas apprendre aujourd'hui parce que tu vas voir c'est juste fou. Ça fonctionne dans le monde entier, dans énormément de pays puisque ça fonctionne encore une fois avec PayPal, c'est de l'argent PayPal. Et ça c'est vraiment une bonne chose que tout le monde puisse le faire. Avant de commencer cette méthode, n'hésite pas à t'abonner, moi ça me motive à faire d'autres vidéos. Et étape numéro 1 de cette méthode pour gagner de l'argent en écoutant des musiques, ça va être d'aller sur le site playlistpush.com. Donc je te fais un zoom là maintenant pour que tu vois un petit peu comment ça s'écrit. Tu vas sur Google tout simplement, tu vas taper playlist push et tu arrives sur ce site ici. Donc on arrive sur la page ici d'inscription. Je vais te dire en quelques secondes à quoi sert ce site et comment ça fonctionne. C'est tout simplement un site qui va donner la chance aux nouveaux artistes, donc aux nouveaux créateurs qui ne sont pas connus, qui font des musiques et qui vont toi te permettre d'écouter les musiques et de donner une revue sur ces musiques, donc un avis sur ces musiques. Et tu vas être payé à chaque fois que tu vas donner un avis sur cette musique. Donc tu vois ici, tu as pour les artistes et pour les curators. Curators, ça veut dire tous ceux qui vont donner des avis. Donc ça va être là-dessus que tu vas devoir t'inscrire. Tu vas aller tout en haut du site, tu vas cliquer sur For Curators ici. Et là, en gros, ils te disent « Découvrez des nouvelles musiques pour vos playlists ». Donc tu descends un petit peu et tu vois, je vais te montrer exactement comment ça fonctionne. Donc tu vas pouvoir être payé pour des revues, pour des avis, jusqu'à 12$, donc jusqu'à 12 euros à peu près, puisqu'ils font la conversion. Jusqu'à 12 euros par revue, par avis, par musique. Donc t'imagines, c'est juste fou. Tu écoutes 10 musiques par jour, tu gagnes 120 euros par jour juste en donnant des avis sur des musiques. Imagine un petit peu, 120 euros par jour, ça représente quand même 3600 euros par mois juste avec ce site-là. Si tu fais seulement 10 musiques par jour, c'est juste hallucinant. Ce qu'il y a de génial avec ce site aussi, c'est que tu as des instant payouts. Ça veut dire qu'ils te payent instantanément, tu as juste à leur envoyer un email et ils te payent directement. Ou alors, si tu veux que ça soit automatique, eh bien, tu peux être payé une fois par semaine. Alors là, c'est pas écrit, mais c'est les règles, c'est payé une fois par semaine, je crois que c'est le vendredi. Tu peux t'inscrire sur le site par trois plateformes différentes. Tu as Spotify, tu as YouTube Music ou Apple Music. Nous, ici, on va utiliser Spotify puisque c'est tout simplement le plus connu. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir des followers, donc des abonnés à ta playlist. Il t'en faut 400 avant de pouvoir t'inscrire sur le site et gagner de l'argent. Alors attention, je te vois déjà venir et c'est tout à fait normal. Ce n'est pas magique, hein. Ce n'est pas de l'argent où tu vas claquer des doigts. Bien évidemment, il va falloir un petit peu travailler pour avoir ces 400 abonnés. Et on va voir ensemble ça juste après parce que tu verras que c'est en fait super simple, mais il va falloir quand même travailler. C'est pas où tu appuies sur un bouton et l'argent coule à flot sur ton compte en banque et sur ton compte PayPal, on est bien d'accord. Et on va voir ensemble dans cette vidéo comment atteindre très facilement, tu peux le faire en moins d'une semaine, les 400 abonnés. Je vais te donner 3 méthodes plus une méthode inédite où personne ne l'a fait, où on va utiliser eh bien, les abonnés de cette chaîne, les 600 abonnés de cette chaîne, pour gagner des centaines de followers en moins de 7 jours. Ensuite, l'étape numéro 2, ça va être de cliquer ici, mais c'est uniquement si tu as les 400 abonnés, puisque si tu cliques, tu t'inscris, eh bien, le site Playlist Push va te dire ton compte n'a pas encore les conditions nécessaires pour être approuvé, et du coup, ils vont te refuser. Donc là, pour l'instant, ça ne sert à rien d'aller t'inscrire sur Playlist Push si tu n'as pas encore 400 abonnés. Si tu les as, tu peux cliquer et continuer la démarche. Mais là, nous, on va voir ensemble les méthodes. Il y en a 3 et plus une à la fin où je vais te montrer un truc de fou. Tu vas pouvoir gagner des centaines d'abonnés en quelques jours seulement. On va commencer directement avec Reddit. Reddit, c'est un réseau social qui est de plus en plus connu en France et hyper connu aux États-Unis. Et il y a des sujets, tu vois, il y a des topics. Ici, il y a 257 900 membres sur ce sujet-là et où les gens partagent, eh bien, à chaque fois
leur playlist, tu vois, comme ici, ici, etc. Donc tu t'imagines qu'il y a énormément de gens qui vont, si tu mets ta playlist ici, toi aussi, de gens qui vont regarder ta playlist et il y en a qui vont s'abonner et écouter ce que tu as fait. Je vais te donner une astuce supplémentaire pour te montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ici, tu vois, je connais pas vraiment les chansons, mais j'ai l'impression que c'est pas du tout dans la même catégorie de musique, que ce soit un petit peu pop ou rock ou blues ou jazz, etc. C'est un petit peu mélangé ici. Par contre, il y a quelqu'un qui l'a très bien fait ici, tu vois. Sur sa playlist, il a fait du David Bowie, 4 fois sur 5. Et ça, c'est exactement ce qu'il faut faire. Je te conseille vraiment de faire exactement dans la même niche, dans la même thématique. Donc, tu choisis une playlist sur le pop, ou soit sur le rock, ou sur le jazz, ou sur le blues, ou sur le funk, ou sur le folk. Tu choisis ça, et ensuite, tu mets que des musiques d'une seule thématique dans ta playlist, et ça va beaucoup mieux fonctionner comme ça. Le deuxième site, ça va être aussi un site américain qui s'appelle playlist.net. Tu vois qu'il y a plein de playlists où tu vas pouvoir partager la tienne toi aussi sur ce site. Il y a énormément de gens qui viennent sur ce site chaque jour. Tout ce que tu as à faire, c'est t'inscrire et puis ensuite cliquer sur Submit a Playlist. Ça veut dire soumettre ta propre playlist. Donc tu dois t'inscrire pour ça, tu vois, login, je vais te montrer. Tu cliques en bas pour te créer un compte sur Register juste ici. Ensuite, tu remplis tout ça. Tu cliques ici sur la petite case, tu mets Register. Et ensuite, tu pourras mettre Submit a Playlist sur ce site-là. C'est totalement automatique. Tu as juste à poster et les gens viendront voir ta playlist. Donc, ça te fera encore plus d'abonnés en automatique tous les jours. Le troisième site, c'est soundplate.com. C'est exactement pareil que celui d'avant. Ici, tu as juste à cliquer sur Add a Playlist ou Soundplate juste là. Ensuite, tu arrives sur cette page, tu as juste à suivre les inscriptions, c'est totalement gratuit bien évidemment, et tu peux poster tes playlists ici, donc ça fait encore plus de gens qui vont voir ta playlist et s'abonner. La quatrième et dernière technique, je t'avais dit que c'était un truc de fou, on va utiliser les 625 abonnés que j'ai aujourd'hui sur ma chaîne où je te fais cette vidéo pour gagner eh bien, à chaque fois des abonnés sur ta playlist. Comment tu vas faire ça? Tu vas simplement mettre ton lien en commentaire de ta playlist avec un petit message. Le message, je vais te le noter maintenant, tu vas pouvoir le recopier. Donc le message, ça va être, si tu t'abonnes à ma playlist et que tu écoutes une de mes musiques, dis-le moi en commentaire et je ferai pareil pour ta playlist avec le petit smiley petit ange, parce que je l'aime beaucoup. Et ensuite, tu mets le lien vers ta playlist, je te montre maintenant comment on fait. Pour faire ça, il te suffit d'aller sur ton compte Spotify, je te montre également sur portable, sur l'écran, comment ça fonctionne. Sur PC, tu vas cliquer sur ma playlist numéro 1. Ensuite, tu vas cliquer sur les trois petits points qui sont ici. Et ensuite, copier le lien vers ma playlist juste ici. C'est écrit « Copier dans le presse-papier ». Ensuite, tu reviens sur ton commentaire, tu fais « Ctrl-V » et le lien est arrivé vers ta playlist. Donc finalement, tu l'as compris, comment ça va fonctionner? On va tous s'entraider pour s'abonner aux playlists des uns et des autres. Une fois que tu t'es abonné à quelqu'un, tu vas mettre en commentaire de ce commentaire. Donc tu vas répondre au commentaire et tu vas dire « Pour moi, c'est fait, fais la même chose pour moi ». Et chaque jour, moi, ce que je te conseille, c'est pour aller encore plus vite et rapidement. Tous les jours, tu reviens sur cette vidéo entre 8h et 10h. Comme toutes les personnes qui auront vu cette vidéo vont revenir entre 8h et 10h, parce que je l'ai dit, tu verras que tous les jours, il y aura des nouvelles playlists auxquelles s'abonner. Et du coup, tous les jours, toi, tu auras des nouveaux abonnés, puisque les personnes vont répondre en commentaire, c'est bon, je me suis abonné, vas-y, à toi, etc. Donc tous les jours, entre 8h et 10h, si tu fais ça pendant 7 jours, je te garantis que tes 400 abonnés, tu pourras les avoir très rapidement et ensuite tu pourras gagner jusqu'à 12 euros par musique. Donc encore une fois, si t'en fais 10 par jour, ça te revient à 3600 euros par mois, ce qui est juste fou. Là, j'ai vraiment voulu mettre une technique inédite qui va faire en sorte que tu aies très rapidement tes abonnés et très rapidement tu vas pouvoir gagner de l'argent. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, mets un like si cette vidéo t'a plu. Alors moi, j'ai entendu dire que si tu appuyais sur le bouton là, tu sais, celui qui vient de clignoter devant tes yeux, tu vas pouvoir gagner rapidement de l'argent en ligne et avoir des business qui se font en total automatique. Donc si j'étais toi, je cliquerais sur le bouton et je m'abonnerais directement.